Bête de ménage! Je vais vous donner les directives et vous allez faire comme ça. Quitte à rester dans la chambre aura fait son bon ménage du sol. Non, du sol au plafond. Ça me saoule. Pourquoi? J'ai envie de sortir. Je crois que je vais sauter par la fenêtre de mon matin. Tablette. Alors nous déjà on crève la dalle. Ah oui, je suis trop faim, mon ventre il fait que gargouiller en fait, là. Mais je ne peux plus faire 24 heures à la chambre. J'ai envie de sortir, de me mettre au salon. J'en peux plus. Moi j'ai jamais débordé mes amours. Mais là ça a toujours été ça. Voilà mes amours, toujours par le contour. Plus aucun avec doute. Le contour avec la Miyushi, mes amours. Et surtout, vous estompez bien mes beauty blender avec la Miyushi, mes amours, parce qu'ils sont magiques genre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous. Ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, déjà petit indice, où sommes-nous? Dans la chambre des filles. Et on se retrouve pour un 24 heures dans notre chambre. Voilà, donc on va tout filmer, comment elles vont s'occuper, qu'est-ce qu'elles vont faire. Enfin après il y a de quoi faire quand même, parce qu'elles ont la télé, elles ont des petits frigos, il y a du maquillage. Et d'après Lilia, il y a une règle. Et la règle c'est... On a 5 minutes pour prendre tout ce qu'on veut dans la maison, les rapporter dans la chambre. Par contre, on n'a pas le droit de prendre un sac, de tout mettre dedans et après rapporter le sac. On doit faire les allers-retours. Donc, elles doivent faire les allers-retours avec leurs mains. Je leur mets un top chrono de 5 minutes pour qu'elles prennent leurs indispensables. On a des jokers pour faire pipi aussi. Voilà, et après, elles ont des jokers. Donc, je vais leur laisser joker, pipi, joker douche. Et voilà. Et après, ben, je leur amènerai le manger dans la chambre. Elles mangeront dans leur chambre. Je débarrasserai. Et je viendrai leur rendre cool, de petites visites. On n'aura rien à faire. Pas de vaisselle. Pas sortir les chiens. Profitez-en, profitez-en. Parce qu'il y a la petite. Le petit revers de la médaille qui arrive quand même. Parce qu'il faut que j'en profite. Hein? Aussi? Il faut que moi aussi il y ait du positif pour moi. Donc voilà. Profitez-en. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est profitez-en. Mais avant ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mettez des pouces bleus. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications pour qu'on poste une vidéo. Et surtout, si tu ne suis pas encore sous nos autres réseaux sociaux, je te les mets sur nos autres réseaux sociaux. Je te mets TikTok, Instagram, Snapchat, juste ici. N'hésite pas à nous ajouter et nous suivre partout. Comme ça, au moins, eh ben, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Ah oui, aussi, je laisse l'appareil photo du coup à Monia, puisque au moins, elle va pouvoir filmer les petits moments... du 24 heures, vu que moi par moment je serai pas là. Donc c'est parti, je vous invite à suivre cette aventure 24 heures dans la chambre avec nous. Let's go! Bon, j'ai préparé le minuteur, je vais bientôt appuyer sur démarrer. Elles sont prêtes et elles ont 5 minutes pour prendre ce qu'elles veulent dans la maison, leur indispensable. À vos marques. Prêt? Feu? Partez! Allez, va plus vite! Il faut du lait, il faut un. Doucement mon bol, hein. Ouais. Ça va, c'est bon, tu me fais mon gros plein là. Ça je prends. 3 minutes 20. Oh, je vais marcher. 3, 2, 1, 0. Dans la chambre, dans la chambre, dans la chambre, ça y est. Donc ça y est, 14h34, début du 24h dans la chambre. Voilà tout ce qu'elles ont prévu. Kinder Pingui, compote, de l'eau, du jus de fruits, des cotons, parce qu'à mon avis elle devait en manquer. Nutella, le 4/4, du lait, les bonbons, ça, la bonbonnière, carrément, Lilia elle a pris. Ah, tu m'as piqué des... Oui, après j'ai pris des élastiques aussi comme ça pour me coiffer le matin. Et du sel. Imagine tu ne sales pas les plats. Ah, c'est au cas où j'oublie de te saler les plats. Et que c'est pas assez salé et que j'ai envie de me saler les plats. Voilà leurs indispensables de leurs 5 minutes. Attends, ma tablette. Le tablette. La tablette et les chargeurs, le oui. Le chargeur. Voilà, il y a la tablette, chargeur. Donc là, on a Lilia qui est en train de tout s'installer dans son frigo. Voilà. Heureusement qu'elles ont ces petits frigos. Là, on a Monia qui est en train de ranger de son côté son garde-manger là où elle peut. Et du coup, moi, je vais les laisser ranger. J'ai 2-3 trucs à faire. Donc, je vous laisse dans votre 24 heures in the room. Merci. Donc là, moi, je suis en train de customiser mon clavier de couleur comme ça. Et je vais faire un clavier kawaii. Voilà.
Et Monia, elle est sur son téléphone. Donc là, il est 15h20 et on est en train de s'installer. Donc moi, j'ai commencé par le français derrière ces deux pages-là. Donc je vais faire tout ça. Regardez tous les devoirs que j'ai. C'est trop vraiment. Et Lilia, écriture. Elle a commencé par l'écriture. Elle a tout ça de devoir. Regardez tout le papier blanc là que vous voyez. Et voilà. Bon, je pense qu'on aura fini dans une petite heure. Hein. On se retrouve pour le goûter. Bon, là Lilia est encore en train de faire ses devoirs derrière. Moi j'ai fini là. Vous épaulez sur la boîte de jus de fruits, donc c'est compliqué. J'ai fini la première page en 15 minutes. Franchement, ça va. Franchement, moi je dis, je pour Monia, bravo. Je suis fière de moi. Bonjour, est-ce que là ? Je l'ai fait tout à l'heure, t'inquiète. Bon, il est 15h50. J'ai commencé à 20. J'ai mis 30 minutes pour faire ça. Et moi, j'ai pris 30 minutes pour faire ça. Et maintenant, je vais faire le recto. Bon. C'est bon, ça j'ai terminé, je pense que je vais goûter parce que j'ai fait. Donc moi j'ai fini mon roman policier. Bah moi j'ai fini ça, donc j'en profite avant de commencer un autre truc. Vous voyez que dès qu'il soit 16h, j'ai dit, faut goûter. Donc je prépare mon petit goûter avec vous. Je vais mettre un petit bas peut-être. Non, c'est mieux là. Donc je vais prendre du leche bio. Pas pourquoi il a écrit merci, mais bon, j'ai voulu la. Enfin, j'ai piqué la truc. La mèche, elle me stresse. La truc de lait à ma mère. Donc voilà, j'ai pris un couteau et un bol. Désolée, j'ai acheté le 4-4. 4-4. Voilà, mon petit 4-4 comme ça. Donc, on va mettre le lait d'intro L bol. On va dire ça comme ça. Maintenant, on va prendre le 4-4. Oui, on met ça pour pas casser. Non, non, non. Voilà, on sort le. On va plus éloigner les affaires de devoir. Voilà. On coupe. Une tranche assez généreuse, vous voyez. Vous prenez maintenant, vous trempez. Oh, vraiment, ça c'est trop, trop bon. Voilà. Vous trempez. Et là. Mmh. Ici, ce chien aboie. Trop bon. Mmh. Voilà. Bon, j'ai fini mon goûter. Il est 16h22 et on va reprendre encore sur du français. Attendez. Peut-être comme ça, on verrait mieux. Ouais, vite fait. Donc on va reprendre du français. Voilà, voilà, vivez ma vie. Je peux plus, franchement, les devoirs, j'en ai marre. Bon, moi j'ai un peu travaillé sur l'ordinateur pour vous, voilà, pour YouTube et pour plein de choses et tout. Donc du coup, je les rejoins un petit peu dans la chambre, mais c'est encore dans les devoirs. Il est 16h51. Voilà, donc là je leur ai dit, je pense qu'il serait temps de faire une petite pause parce que c'est bien de faire les devoirs, mais bon, après trop d'un coup, c'est pas bon. Voilà, là on a Lilia. Voilà. Et je comprends pas. Bon, la question qui fait ses devoirs. Et voilà, vous pouvez voir que la chambre est bien envahie de tout. De tout. C'est le bordel. Bah, mais c'est ça, 24 heures dans la chambre. Donc là, du coup, pour se couper, il est. Et on reste maquillé. Et là, tout ce temps, on a des devoirs. Ah, maintenant, on est sur notre téléphone en train de jouer. Non, et toi, t'étais en appel. Oui, et elle a joué à Tokaboka. Mais sinon, n'allez pas vous filmer parce que ça sert à rien. Je mets le fond de teint. Tu l'as autorisé ? Autorise toute seule. Ouais, mais non. Bon, ne calculez pas. Oui, j'ai des trucs rouges, mais c'est parce que j'ai testé un truc. En fait, c'est de mettre le truc rouge pour cacher les cernes et après mettre le fond de teint et l'anti-cerne. On dirait mon pire. Je vais mettre. Le Huda ou le Born This Way? On va mettre le Born This Way. En même temps, on va un petit peu make-up. Regardez. Voilà. Là, c'est. Il m'a promis! Il m'a promis! T'as promis, Vie! Regarde, je vous promets, Vie.
Mais on va refaire une prise anti-cerne. On va vraiment genre faire ça là. Il est trop blanc pour moi cet anti-cerne, mais bon. On va voir la coverage. Point d'exclamation à la fin d'une phrase exclamative. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Faites ça là. Il est 3 ma teinte. Vraiment. Comme ça, vous montez genre vraiment à côté de la bouche, là, comme ça. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Et avec le bronzer, voilà. Vous voyez, vous faites ça comme ça. Et avec le bronzer, vous prenez un petit pinceau à faire à paupières normal. Wow, punaise. T'as capté. Et là, en fait, vous faites mais ça. Mais il y a trop de lumière, mais vous voyez. Vous faites ça, vous venez jusqu'au trait ici. Et vous faites ça. Je vais estomper un petit peu. Genre vraiment, vous tracez les traits. Pas mal, ça. Non. En vrai, ça va quand on laisse tomber bien. Après, au final, il fait pas si blanc. Il se fond dans la masse. Vous montez comme ça. Et en fait, on fait le tour du visage. Qu'est-ce que ça fait ? 11h. Et on en met aussi là par le contouring. Mais on voit pas, il y a trop de lumière, je crois. Ça fait pas le contraste. Ah là, on voit, voilà. Faut qu'on soit loin. Laisse tomber. J'ai un truc dans l'œil. Donc là, mes amours, j'ai utilisé le bronzer. Là, j'ai utilisé le bronzer. Vous voulez reproduire ce make-up. T'as même pas utilisé de blush. Hyper bien. Hein? J'ai pas fini. Je suis en 40 cernes là. Voilà, mes amours. Toujours par le contouring. Avec le contouring My Vagina Mouche, mes amours. Et surtout, vous estompez bien mes beauty blenders, mes vagina mouches, mes amours, parce qu'ils sont magiques, genre, ils estompent grave, non, c'est pas comme des beauty blenders que vous allez acheter à Sephora, genre, ils sont mieux. Waouh, ça fait beaucoup de genre, tout ça. Donc, on estompe bien, ils sont grave, mes amours. Elle trace sa roue. Maintenant, on va mettre le blush, mes amours. Pareil, c'est le My Vagina Mouche, mes amours. My Vagina Mouche. Mais j'ai un truc dans l'œil. Hop, on met beaucoup de blush, mes amours, parce que c'est vraiment important pour qu'on attire l'attention. Et pareil, bah après, je prends le. Par contre, lui, c'est le Dixit. Genre, après, on met le My Mouche en poudre, mes amours. Je sais pas trop vous montrer de près, mais. Ouais, deux comme ça. Vous montre. Je sais pas si vous. Mais vraiment, allez les acheter, ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'aime beaucoup. Peut-être mis beaucoup, non? On va estomper, ça va passer. Vous allez voir comme regardez comme on va dans les cheveux. Vous voyez un peu mal, attendez. Au pire, on est là. Tenez un peu la lumière, s'il vous plaît. Merci. Donc là, après, tu vas aller loin. Voilà. Mais voilà, et faut aller loin pour que vous voyez à quel point c'est rose quoi et c'est beau. Faut bien aller dans les cheveux. Mes amours. Voilà, si vous lavez les cheveux après. Faites ça comme ça. Mais pour que ça fasse le plus naturel possible, vous comprenez, mes amours. On ne peut pas dire que je suis pas rose, mais c'est ce qui plaît. C'est pour attirer l'attention que je fais ça, mes amours. C'est vraiment ça. Donc, après, on prend des pinceaux. My Vagina Mouche, mes amours, regardez, ils sont beaux. Ils sont naturellement faits, genre. Et pareil. Naturellement faits, mais qu'est-ce qu'elle me raconte-t-elle? On suit ce qu'on a déjà fait, mes amours. On en met un peu sur le nez, genre faire le kawaii et un peu attirer l'attention. Mes amours, pareil, tout avec My Vagina Mouche, parce que vraiment c'est la meilleure marque. Et mes amours, je vous jure, vous allez attirer l'intention de tout le monde que vous allez voir autour de vous. Ils vont vous regarder et vraiment. C'est pour ça que tout le monde me regarde, genre tout le monde crée sur moi et tout, parce que vous voyez, genre, j'utilise que les produits My Vagina Mouche. Et ben voilà, franchement, vous avez qu'à les utiliser. On passe à le lighter My Vagina Mouche. Donc, moi, je prends le liquide, voilà, comme ça. Et ouais, Exico m'ont recopié. Voilà, c'est eux qui m'ont recopié. Et on en met un peu sur le nez, enfin un peu. Comme ça, voilà. Vous faites ça. Faites ça. Voilà. Un peu là et là. Vous voyez, ça fait un petit. Ça, c'est pareil, ça encore plus pour attirer l'attention. Comme ils voient là, les joues rouges. D'ailleurs, c'est trop canon comme ça. Ça peut être mieux comme ça. Donc, on estompe avec le doigt, bien sûr, mes amours.
et là, mais je suis choquée, ça m'a caché tout. Vous venez monter comme ça, là, voilà, vous venez faire ça, là, comme ça, et vous montez. Qu'est-ce? Là, il a été ça. Ah, et ça m'a même mis, je suis mis d'amour. Donc là, on m'a mis au-dessus du sourcil parce que, genre, j'ai vu une fille, elle fait ça, c'est Monia, je crois. Mais elle fait ça. Donc je l'ai fait. Mais par contre, elle l'a fait avec un autre à la lecture. Moi, je suis le ma meilleure amie aussi, mes amours. Franchement, il est mieux. C'est mieux. Il est flou. Il est pas flou, ça change. Je crois que j'ai mis ma meilleure amie aussi, la tête. Ouais. Donc maintenant, mes amours, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, mes amours? Là, on rajoute du bronzer malgré tout ce qu'on en a mis. J'ai le rouge, pas le sortir. Comme vous voyez, le rose, il pigmente trop sur ma joue, genre je suis en bas. Alors pourtant, il y avait du bronzer tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut repasser. Donc, même du chiffre, pareil, mais eux, c'est les anciens. Je vous conseille pas eux, du coup. Du coup, je vous conseille eux. C'est eux, c'est les meilleurs, c'est les nouveaux. C'est les meilleurs, quoi, mes amours. Mais eux, c'était vraiment les anciens quand j'étais vraiment débutante dans le genre. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc là, on fait ça. Vous avez capté mes armes, je pense. Donc, on fait ça. On n'habille pas trop, j'en mets vraiment un peu. On en met juste un peu mes armes. Comme vous pouvez voir, j'en ai mis qu'un peu, moi. Mon sourcil, là, je mets mon mascara. Je suis rendez-vous avec Craig. Donc là, on met le crayon, c'est ma main amie aussi, mes amours. Toujours ma bien amie aussi, mes amours. Et là, qu'est-ce qu'on fait, mes amours? On fait ça. Et surtout, on déborde pas. Il n'y a pas besoin de déborder à chaque fois. Hein. Moi, j'ai jamais débordé. Jamais. Moi, j'ai jamais débordé, mes amours. Mais là, ça a toujours été ça. Je suis née comme ça, j'ai. Voilà. Donc, surtout débordez pas vraiment, c'est vraiment inutile. Regardez votre forme de lèvres, c'est parfait, mes amours. C'est comme ça. Faut s'assumer au naturel. C'est pour ça que j'ai pas fait un maquillage trop non plus. J'ai fait un maquillage vachement cool, vachement genre. Pas trop make-upé. Voilà, j'ai pas trop de make-up aujourd'hui. Et là, on va mettre le gloss by My Mami Mushi. C'est le nude, ça teinte 04 by My Mami Mushi, mes amours. Hop, voilà. Et on le mélange un peu au marron. Ça va faire un petit effet. Fait dégrader. Dégrader vibe. C'est tout. Voilà. Voilà. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai jamais débordé, regardez. Ben, mes lèvres, j'ai trouvé magnifique comme elles sont. Voilà, sans déborder. C'est parfait, faut pas déborder tout le temps. Vous comprenez, parce que sinon, ben, ça veut dire que vous vous assumez pas au naturel. Moi je m'assume au naturel. voilà, vraiment, je m'assume au naturel. Après, faut que je fasse mon brushing, c'est pas que demain il va pas pleuvoir. J'ai fait mes sourcils, par contre, on va les faire un peu mieux. Parce que là, je les fais un peu genre la base, vous comprenez. Ça, faire ça, regardez, là c'est mieux, là c'est pas trop foncé encore que je trouve, oh, que c'est clair je trouve en fait, mais franchement j'ai rendez-vous avec Craig, donc on donne du, genre je me mets sur mon 31, genre sur mon 41, genre, prenez mes amours, et genre là il va me dire que t'es sublime, tu vas dire, mais c'est logique, j'ai mis mon make-up, my Vagnam Lucie en fait, il va se make-uper lui aussi à la fin, voilà, donc surtout, on déborde pas. Non. Moi, j'ai jamais débordé de ma vie. J'aurais. En cas, je suis belle. Ça s'est mis comme on est maison. Alors là, mes amours, j'ai terminé. Regardez mon make-up. Une seule seconde. Je suis trop bon. J'aime trop mon nez. Donc, tout est naturel. Voilà. Donc là, maman nous a rejoint, mais moi je suis en train de me démaquiller, mais j'ai l'impression, ça fait mille fois que je passe les cotons, j'ai l'impression que ça va jamais terminer. Et là, je range rien, tu saoules. Mais laisse-moi finir, hein, je vais ranger. Hein. Mais je ne peux plus faire les 24 heures à jour. J'ai envie de sortir, de me mettre au salon. J'en peux plus. Mais pourquoi demain jusqu'à 14h?
Parce qu'on a commencé à 14h. On a commencé à 14h. Mais non, c'est demain matin. Demain. À 14h. Non, c'est à 14h. Je peux pas. Tu vas devoir, t'as pas le choix. Je crois que je vais abandonner. Non, non. Donc voilà, on sort de la douche. On va utiliser notre joker douche du coup. Et devinez quoi j'ai fait. Et ma mère elle nous dit quoi? On mange dans 10 minutes. 10 minutes, c'est long. Voilà. Donc là, c'est posé sur la tablette. Alors nous, déjà, on crève la dalle. Ah oui, j'ai trop faim. Mon ventre, il fait que gargouiller. En fait, on sait même pas où manger. On a envie de manger dans le lit. Non, mais on verra ça. On verra ce que la chef en dit. J'espère qu'elle va nous ramener des plateaux pour manger dans le lit. Bon. Je vais allumer les lettres comme ça. Là. On met dans un ambiance crose et crose. Ok. Alors attends, moi je vais. Là, moi je vais me poser sur mon petit téléphone. Moi sur ma tablette, je vais jouer à Toca-Boca. Et voilà. Lia va jouer à Toca-Boca. Voilà. J'ai fini. Voilà, on a nos petits repas. Elle a pris son sel. L'eau. Et on va. Ça a l'air très bon. Depuis tout à l'heure, on a hyper faim. J'ai refaim et on mange à 21h29. Elle nous avait dit 10 minutes, ça a pris beaucoup plus de temps que 10 minutes. Elle nous a dit 10 minutes à 20h31. Ouais. Voilà, et il est 21h30. Aime trop. Bon appétit. Merci. C'est pas bon. Bon, on est dans le lit, il est 23h37, depuis tout à l'heure on regarde la télé. Donc voilà. Là on regarde Netflix. On est KO et moi ça me saoule. T'es KO? Oui, on est, moi je suis un peu KO. Moi je suis pas fatiguée, mais je pense que j'ai rien fait de la journée. En fait j'ai dit ça parce que voilà. Et ça me saoule. Pourquoi? J'ai envie de sortir. Je crois que je vais sauter par la fenêtre demain matin. Bah oui, tu veux te tuer à la même occasion. Par contre, la seule chose que je suis trop contente de demain, c'est qu'on va prendre le petit déjeuner. J'en ai marre d'elle. Du coup, ma vagnam de Wish, elle est revenue, du coup. D'accord. Ah, j'ai pas compris. Bon. Bah, si on fait quelque chose d'intéressant après. On vous dit. L'embarcadage de zoo. On vous appelle. Non, ça fallait pas le dire. Ah mince, ok. Pourquoi? Aïe! T'es bête! Bon, maman, tu coupes ça, ok? Tu mets pas H2O. Est-ce que maman, faute si t'as déclaré? Mais elle bouge! Ok, bon, éclair. Pardon. J'ai mal. Bon, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Parce qu'elle m'a coupé, du coup, elle. Ah oui, si on fait quelque chose d'intéressant, on vous appelle et sinon... On vous tient au jus, hein. Voilà. Et sinon, bah bonne nuit. Attends, un, l'autre. Attends, vas-y, genre, toi tu le fais, genre moi je fais elle et toi tu le fais. Vas-y, fais. Attends, vas-y. Mais non, mais faut que toi tu passes quand même. Passe le cœur, genre. Une ok, bon, c'est un gros flop. Gros flop. On vient... Bah oui, voyons. On vient de se réveiller et devinez quoi, on a été réveillé par des casseroles. Voilà. Parce que maman voulait me réveiller avec des casseroles. On dirait que mon nez blanche le matin. C'est vrai. C'est horrible. Non, non, non. Le mur. Attends. Le frère chemin. Je crois que je me forme dans le mur. Non. Non, quand même. Frère chemin. Allez, je vais. Donc voilà, attendez, je vais regarder quelle heure il est. Il est 10h36. Voilà. En vrai, moi, je suis réveillée depuis 10h08. Enfin, c'est l'heure à laquelle j'ai pris mon téléphone. Elle est réveillée vers 10h20. Donc, non, plus. Moi, 10h19, toi, t'étais avant 10h. Non, 10h08, moi, je t'ai réveillée. Non, dès que je me suis réveillée, tu m'as dit 10h09. T'es mongole, je me suis levée à 10h08. Eh ben oui, mais alors tu t'es réveillée à avant. Tu t'es réveillée à 9h08. Parce que Lia, en fait, elle s'est réveillée, elle s'est rendormie, elle s'est re-réveillée. Voilà. Non! En fait, je me suis. Non, je sais pas pourquoi. Elle avait juste. Mais pourquoi tu fais ça? C'est horrible. Je me suis réveillée et vu que ma maman m'avait ralliée par des casseroles, ben la chaîne elle a aboyé en plus. Voilà quoi. Mais pourquoi tu fais ça? Et du coup, ça.
ça m'a réveillée, logique. Et elle, des fois je me réveillais, j'ouvrais les yeux et je voyais genre qu'elle était... Mais arrête, c'est pas beau comment tu filmes. Donne-moi ça parce que donc du coup, ben, maman, enfin Monia, j'ai vu qu'elle était tout le temps réveillée. Mais ça faisait longtemps que t'étais réveillée sur ton téléphone, Monia. Et comme moi... 10h08, j'ai pris mon téléphone, à 10h10 j'ai fait l'heure miroir. Comme... Et à 10h20, tu m'as demandé l'heure, je t'ai donné l'heure. Comme moi, je me suis réveillée. J'ai attendu, j'étais en train d'essayer de me rendormir, je me suis pas rendormie. J'ai regardé ma tablette, il était 10h27. Pardon. Là, j'ai demandé le déjeuner à ma mère. Elle est en train de faire l'aspirateur. J'ai faim. Mon ventre, il fait blop, 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 blop. Ça, je suis mort. Ah, peut-être qu'elle va le faire. Bah non. Bon, je vous capte quand elle sera décidée à faire mon déjeuner. Voilà, je leur amène leur petit déjeuner vu qu'elles n'ont pas le droit de sortir. Donc c'est petit sandwich de pain de mie Nutella pour Monia. Attends. Croissant au Nutella pour Lilia. Voilà, ensuite du coup j'ai une petite idée pour bien terminer ce 24h challenge en beauté. Nous allons faire un bête de ménage. Je vais vous donner les directives. Et vous allez faire comme ça, quitte à rester dans la chambre aura fait son bon ménage du sol, non, du sol au plafond. Voilà. Et après, quand vous serez libérés, parce que quand même, sachez qu'elles ont fait une sacrée nuit et qu'il est 11h01 du matin. Je me suis levée à 10h. Oui, mais bon. Hier soir, j'ai cru que vous alliez pas me laisser dormir. Vacances. Donc voilà mon look, là, j'étais fini de m'habiller. Donc j'ai mis un petit pantalon pas de def marron et un petit. Blanc et on est toujours pas habillée, elle va bientôt s'habiller. Et alors, peut-être qu'on va mettre celle-ci. Ah, il fallait faire tomber le pouf pouf patap pouf 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 pas trop loin. Je vais l'en mettre, je vais me coiffer avec eux. Mais non, ils sont là les chaussures. Il est où le ton prédo? C'est le même vêtement everyday. Elle est dedans, non? Je crois. Elle est trop vieux. Donc, Monia, ouais. Elle a de l'eau et du gel. Donc, on va d'abord démêler les cheveux. Maman, tu mets ça en accéléré, ok? Voilà. Pendant que je me coiffe, tu mets tout en accéléré. On démêle les cheveux comme il faut. Voilà. Et là. Une brosse pour plaquer les cheveux et là d'abord on va mettre du spray d'eau. Par contre c'est des calais pour sortir de l'eau. Mais on met du spray d'eau. Je suis en train de leur faire un tuto coiffure là. Parce que je suis en train de me coiffer. Ça, c'est surtout l'heure de faire le ménage. Mais non, on ne va pas sortir ranger les trucs là. Ben, vous mettez tout devant la porte. Je vais m'en occuper, vous emmenez le pchit-pchit et l'aspirateur. Il va falloir mettre les draps, tout par la fenêtre, enlever toutes les étagères, faire toutes les étagères, toutes les poussières. Non. Sanitol, tous les rambardes du lit, tout au sanitol, tout bien désinfecté, les tiroirs, miroirs, tous les bords, les poussières sur là, partout. Non, t'inquiète. Partout, partout, partout. Ouais, t'inquiète, tu peux nous faire confiance. J'arrive, de toute façon. Vous allez arriver. Bah, genre là, il veut voir si on a déjà fait le ménage quoi. Oh, il est nul ton spray d'eau. Prenez un autre spray d'eau parce que là, en fait, c'est le spray de la chambre de base. On a un autre spray d'eau. Si vous voyez dans les photos de coiffure TikTok, YouTube aussi. Sauf que là, on va mettre le gel directement sur ma tête. Si c'est la seule chose, il me permet de faire tenir mes cheveux. On va faire ça, voilà. Là, on attache. Moi, j'ai pris des élastiques de chez Action, c'est les meilleurs.
Et là maintenant on reprend du gel. Et on revient un peu plus laqué là. Là. De base moi je mets du gel à l'aloe vera, mais bon. Ça fait un bail, j'ai pas mis du gel comme ça. Ça c'est le gel de chaque jour, il est hyper bien aussi. Si jamais vous voulez le même. Voilà. C'est beau ou pas? Donc, on range tout ça et maintenant, ben, faire le ménage, du coup. Que n'ai pas envie de faire. Du coup, quand je décide de faire le ménage, j'ai pas du bouchon de ça. Du coup, ben, on est en train de faire le ménage, on a fait les vitres. Là, on a presque fini en vrai. Monia a fini, on a enlevé tous les vêtements, on a fait le dressing, on a tout fait là. On a tout fait la coiffeuse, tout ça. Là, il faut qu'on fasse le bureau. On avait posté les draps. Ah, mais non, faut faire... non, mais moi, j'ai fait les tiroirs par contre de là. Il faut faire là. Et après, on aura terminé. Après, il faut faire le lit et puis on aura terminé. Voilà. On a fini le ménage, donc on va tout remettre en place parce qu'il y a tout sur le lit. On va faire le lit. Tu vas faire le lit. Oui, bien sûr, oui. Attends, il y a un contre-jour. Faut qu'on range tout ça là, parce que là, il y a un bordel ici. Y a des... La grosse phrase, c'est pas moi, mais c'est pas moi, il y a que moi quand mais ok, Lilia, c'est bon, est-ce qu'on a dit tu peux pas le ranger parce que c'est pas toi? Oui. Non, je peux pas le ranger. Ah, d'accord, bah, j'en ai plus des affaires alors. C'est là, je rigole. Pas drôle. Bref, on va ranger tout ça là. Parce que. Il y a des chaussons dans le tabouret à l'envers. Voilà. C'est pas mes chaussons. Oh ah. Ça y est, ménage terminé. Ça va, ça a été les filles, c'est tout bien rangé, je vous montre. Il me manque un truc que tu ranges. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau et que vous voulez toutes les références de tout ce qu'il y a dans la chambre. Voilà, vous voyez, tout est rangé, les miroirs sont nickel, la poussière est faite. Voilà, du coup, Monia, elle a décidé d'enlever tout ce qu'il y avait sur le meuble, ça lui plaisait pas. Elle voulait que ce soit mieux rangé comme ça, donc elle a tout mieux organisé ici. Et je vous disais, si vous voulez les références de tout ce qu'il y a là, restez bien jusqu'à la fin. Je vous mets le room tour juste après. Donc voilà, ça y est, cette vidéo 24 heures dans la chambre se termine. Comment vous avez trouvé cette expérience, les filles? Très long. Très long. Très long. Et vraiment, je ne le referai pas une deuxième fois parce que ça m'a saoulé. Ah. Vraiment, je pouvais pas. C'était dur de rester que dans la chambre, que dans la chambre. Ah oui, j'avais envie de descendre au salon. Elle avait envie de prendre l'air. Et si? Donc, tu sais ce que tu vas faire, tu vas prendre tes chiens, tu vas aller balader tes chiens, ça va leur faire du bien. Il fait un grand soleil, il y a pas de soucis. Magnifique, ça va te faire le plus grand bien. Me jeter les poubelles, aller promener les chiens. Hein? Et voilà. Moi j'avoue que c'était très ennuyant en bas sans elle. Bon, même si je me suis occupée que j'avais plein de choses à faire, je montais quand même régulièrement les voir et me mettre un petit peu avec elle. Pour tous ceux qui nous suivent sur TikTok pendant cette aventure, Monia avait été bannie, mais heureusement elle a récupéré son compte, donc elle est contente. Donc je vous remets les réseaux sociaux ici, si tu t'es pas encore abonné en début de vidéo, n'hésite pas à le faire. Voilà, je te mets le room tour qui va commencer, et si vous voulez savoir d'où vient le lit, d'où vient le bureau, d'où vient la coiffeuse, vous allez en description, vous avez tous les liens, les dressings, je vous ai mis les liens de tout, vous cliquez, ça vous amène directement sur le site. Donc voilà, au moins. Comme ça, c'est très simple. Bon, ben voilà, ça y est, cette vidéo c'est terminée. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Bye!